Bonjour, je suis trop ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je crois que pendant le premier confinement, donc c'était l'année dernière, j'avais vu un TikTok en fait qui m'avait beaucoup interpellée. Dans le sens où en fait, je crois que c'est un garçon qui présentait en gros le site Twin Stranger, qui tout simplement est un site, en gros vous inscrivez votre photo avec des petites choses vous concernant, donc notamment votre prénom, votre âge et votre sexe tout simplement. Et par le biais de votre photo, en fait, il va rechercher votre jumeau, celui qui vous ressemble le plus. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être une trop bonne idée de vidéo. Donc je me suis dit, vas-y, je me lance. Au début, cette vidéo là je voulais la réaliser avec ma petite soeur, mais vu le fait actuel où en fait on est encore en confinement, donc du coup je me suis dit ça sert à rien, mais j'aurais trop voulu faire avec elle, parce que en fait ma petite soeur, à chaque fois on trouve plein de sosies sur elle, notamment sur TikTok et Instagram, enfin c'est impressionnant. Et moi, à chaque fois, j'arrive jamais à trouver un sosie, quelqu'un qui me correspond. J'arrive jamais à trouver ma jumelle, vraiment. Et du coup, ça, je me dis, allez, vas-y, peut-être qu'avec ce site je vais pouvoir enfin trouver. Donc c'est parti, on va aller sur le site. Ah, la première, elle me ressemble pas du tout. Je pense que c'est plus les lunettes. En vrai, elle me ressemble pas du tout. Elle s'appelle comment? On peut pas savoir, mince. Même la deuxième, elle me ressemble pas du tout. C'est pas possible. Non, vraiment. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que les nanas, elles me ressemblent pas du tout. Alors là, la fille, elle a les cheveux rouges. Alors moi, j'ai pas du tout les cheveux rouges. Donc peut-être que c'est les lunettes. Je pense que c'est les lunettes qui font tout par rapport à ça. En fait, j'ai mis une ancienne photo de moi. Non, mais vraiment pas. Ah, peut-être elle. Peut-être, ouais. Par contre, elle est grave mimes, mais du coup, je lui ressemble pas du tout. J'avoue que le site, il est vraiment galère à utiliser. Vraiment, j'ai l'impression que ça rame et tout. C'est vraiment une grosse galère. Je vais mettre une autre photo de moi. On va voir ce que ça va donner. Et je vais en mettre d'autres également, où en fait, on voit un peu plus. Donc par contre, peut-être ça. Faudrait vraiment qu'il remodifie le site, parce que c'est vraiment pas... mais vraiment pas accessible en fait, et ça n'arrête pas de bugger. C'est vraiment une grosse galère, c'est pas vrai. Bref, en fait, je viens de rechanger ma photo et ça fonctionne toujours pas en fait. J'aime pas trop ce site là en fait, je le trouve vraiment pas accessible. Bref, j'essaie de retrouver, d'aller un peu plus loin. Non mais attends, mais la nana, elle me ressemble pas du tout là. 75%. Par contre, elle est grave belle, mais elle me ressemble pas. Ou c'est plutôt moi qui lui ressemble pas en fait. Vraiment, en fait, genre avec toutes les photos que je vois, n'hésitez pas à me dire si vraiment vous trouvez qu'il y a des filles qui me ressemblent, parce que moi j'ai pas l'impression. Mais je pense que c'est pareil, je pense. C'est quand c'est soi-même, on a toujours du mal à se dire, oh, elles nous ressemblent en fait. Elles ressemblent qu'elles sont toutes des États-Unis quoi. Non mais elle est grave belle, elle vient d'Australie, je crois. Mais elle me ressemble pas. Impressionnant. Non mais en fait, je pense qu'ils mettent au hasard, c'est pas possible. Non, vraiment, j'arrive vraiment pas à trouver quelqu'un qui. Ah, par contre, elle me ressemble un peu. Elle vient d'Angleterre. Ah si, elle me ressemble un peu quand même. Bah sinon, les autres... Oh, par contre, t'as vraiment des filles, elles sont magnifiques, hein. Ça c'est sûr. Mais genre moi, enfin vraiment, je vois pas la ressemblance. Enfin, j'arrête tout, mais genre c'est le site, mais vraiment, il n'y a aucun rapport, quoi. Bref, et en fait, je vais retourner sur la nana de tout à l'heure. Et je vais voir, je vais marquer Send PM. En gros, pour ça qui me ressemble, parce que je sais pas en fait ce que ça fait. Genre send PM, ok, c'est pour envoyer un message, move to my twin folder. Ah oui, ok, donc du coup, en gros, faut que j'aille dans my twins, ok, et du coup, je vais lui envoyer un PM, en gros un message, hi, you look like me, en gros, ça veut dire, salut, tu me ressembles, how are you, pour lui demander comment elle va, en fait. Ah, de base, je vous ai dit, dans certaines de mes vidéos, vous voyez pas mes lunettes, mais c'est parce qu'en fait, j'aime pas avec mes lunettes, donc du coup, c'est pour ça. Ah, voilà, le message est envoyé. Donc, je sais pas, peut-être qu'elle va me répondre, ça se trouve, elle est plus du tout dessus, et du coup, j'en sais rien. En tout cas, voilà, je lui ai envoyé un petit message et on verra bien. Si jamais j'ai des nouvelles, ça serait trop cool, genre, de faire une vidéo avec elle, genre, peut-être en FaceTime, ou alors peut-être sur Facebook, enfin, j'en sais rien, mais du coup, ce serait trop une bonne idée. Mais vraiment, en fait, j'en vois pas d'autres. Puis même, j'ai essayé de changer ma photo et j'arrive pas à... Je comprends pas leur principe, genre c'est vraiment pas... C'est vraiment pas pratique quoi. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai trouvé que c'était la seule personne qui me ressemblait, mais n'hésitez pas à me faire part de votre avis, si vous avez déjà testé ce site et si c'était vraiment ouf, vous avez pu trouver votre sosie, parce que pour ma part, pas du tout. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Mais le site est vraiment pas...
Et pas facile, enfin tout en anglais, et donc du coup, bon, ça je comprends facilement, mais ça rame et c'est pas agréable à naviguer là-dessus. Franchement, j'espère qu'il y a d'autres sites qui sont plus faciles à utiliser. En tout cas, si vous connaissez d'autres sites, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Franchement, je serais ravie de refaire une vidéo par rapport à ça. Et puis, dans tous les cas, je vous tiens informé si la fille du coup m'a répondu, ça serait vraiment trop cool, mais à mon avis, ça m'étonne. Merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo. Bye!